Bonsoir, attention, les orages sont encore violents parfois dans l'est et le sud du pays. En cette soirée de samedi, ils persisteront jusqu'en cours de nuit près des frontières de l'est. On va d'ailleurs retrouver demain matin un ciel très gris et pluvieux sur l'ensemble de la façade est du pays avec des pluies encore orageuses près de la Suisse. Ailleurs, ça restera encore bien chaotique, notamment sur les régions de la moitié nord avec quand même un peu plus d'éclaircies en allant vers l'océan ou encore le bassin de la Méditerranée. L'après-midi, ciel de traîne pour tout le monde avec une alternance entre passages nuageux et éclaircies, des averses parfois marquées et orageuses, en particulier des Pyrénées jusqu'aux régions du nord, et puis toujours ces pluies soutenues et orageuses sur le sud-est de la Suisse. Notez également un temps plus sec mais très venté aux abords du golfe du Lion. Les températures pour votre dimanche matin entre 11 et 15 sur la moitié nord et entre 11 et 20 au sud, et puis dans l'après-midi des températures qui vont s'échelonner entre 17 degrés à Berne et 27 degrés à Marseille. Comptez sur un petit 18 degrés à Amiens, 19 pas plus à Paris, 20 à Brest ou encore 20 degrés du côté de Limoges, des valeurs largement en dessous des normales de saison. La semaine prochaine, avec lundi, des conditions plutôt agréables sur la plupart des régions, avec davantage d'éclaircies que la veille et un risque d'averse beaucoup plus localisé. Alors peut-être ça et là une petite ondée sur les deux tiers nord, mais vraiment pas grand-chose. Et les températures, elles resteront relativement fraîches. Pour mardi, hausse des températures, mais la dégradation va intervenir par l'ouest avec davantage de nuages et des averses. En revanche, le soleil le plus généreux, vous le retrouverez sur les régions du quart nord-est et sur la Belgique, ainsi qu'aux abords de la Méditerranée. Pour mercredi et pour jeudi, instable pour les régions de la moitié sud avec des averses et des orages qui pourront se déclencher en cours d'après-midi dans une atmosphère qui sera devenue plus chaude. Dans le tiers nord, un temps plus calme et bien ensoleillé. Et puis enfin pour vendredi et pour samedi, et bien a priori vendredi, une dégradation orageuse à prévoir du sud-ouest jusqu'au nord-est. Les températures vont commencer à fléchir et elles le feront surtout pour samedi avec un temps plus sec à nouveau pour les régions du sud, tandis que davantage de nuages et des averses sont attendus dans les régions du quart nord-ouest. Demain, nous serons le dimanche 29 juin, nous fêtons les pôles et nous perdrons une minute d'ensoleillement. Je vous retrouve demain soir, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.